Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Subnautica. Épisode précédent, c'est simple, on s'était baladé, on avait essayé de trouver la capsule numéro 7 hein, avec notre Simos, mais on a fait chou blanc malheureusement. Mais par contre, on n'est pas revenu bredouille, on a réussi à avoir le schéma pour le bras grappin, pour le prone, et on a eu quelques blueprints également pour le cyclope. Donc il me manque plus que les moteurs, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et j'ai trouvé hein, également un peu de magnétite, un petit spot, hein, mais bon, c'est pas ouf. Je pense qu'on devrait avoir des plus gros spots plus tard. Faudra vraiment que je cherche. Donc là, je suis un peu en attente pas d'information, parce qu'en fait, on peut toujours explorer aux endroits où on n'a toujours pas été, bien sûr, faire d'exploration. Mais là, en relançant la vidéo, parce que je tournais la suite, celle-là, eh bien, je me suis rendu compte que la radio vient de s'allumer. Donc écoutez, je pense qu'on va écouter le prochain message radio, on va voir ce que ça nous donne. Peut-être qu'on aura notre capsule à sauver, je ne sais pas. On va bien voir. Et je précise également que je n'ai toujours pas lu le PDA, hein. Bien sûr, la tradition. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Attendez, c'est quoi ça? Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Attendez, cross your fingers, the weather opens. Le Sunbeam arrive dans 39 minutes. C'est incroyable. Putain, c'est ouf. Attendez, mais là, attendez, là, je m'attendais pas à ça. Ah bah ça change tout. Je m'attendais à une capsule à aller sauver, pas quitter la planète. Non, il va y avoir une couille, c'est pas possible, hein. En vrai. Bah allez go, hein. On va aller vers le lieu d'atterrissage du Sunbeam. Donc c'est là-bas qu'il atterrit, le coquin. Le coquinou. Donc ça va, c'est pas vers la direction du Léviathan. Léviathan qui est plus par là, hein. Du côté de proche de l'Aurora. Déjà, une putain de bonne nouvelle. Ouais, bah go par là, hein, alors c'est parti, hein. Ah, mais bah, purée, bah je m'attendais pas à ça. Bah, voyez, le jeu, on sait jamais ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. C'est un truc de fou, hein, quand même, hein. Donc, on va y aller. Bon, après, on a 39 minutes, on est large. Je pense qu'on va y aller, on va y atterrir rapidement. Putain, c'était pas si loin, hein. Mais il va se poser où? Sur la mer? Ça a l'air d'être un gros vaisseau, le Sunbeam, quoi. Faut que je regarde s'il n'y a pas des dents de rôdeur également. Parce qu'à terme, je vais en avoir besoin pour faire du verre émaillé, là, pour mes modules et tout, là. Enfin, vraiment que j'aille dans ces biomes-là, puis que je cherche s'il n'y a pas des dents au niveau où il y a des rôdeurs, quoi. Putain, profond, là, le biome d'algues, là. C'est insane. Je suis même pas sûr d'être passé par ici, en vrai. Ouais, ça c'est un truc pour appareil AB mobile, ouais, c'est le jeu déjà ce truc là, ce blueprint. Ouais, lieu d'atterrissage du Sunbeam. Et c'est... Putain, il y a une île! Attendez, c'est la même... Ah non, c'était de l'autre côté, c'était pas... Il y a un Léviathan là, hein. Ça venait de là-bas. Ok, ouais, je suis un peu dans ma parano. Il y a un Léviathan de l'autre côté de l'île, hein. On entend. Ouais, c'est pas la même île, putain. Une nouvelle île, d'accord, il y a plusieurs îles dans le jeu. C'est ouf. Bon, bah voilà, on va quitter, on va se mettre ici, du coup. Et on va... On arrive sur une île, du coup, mais incroyable. C'est vrai que je suis un peu parti à la Walegan sans équipement ni rien, moi, sans truc de bouffe, mais bon, ça va, il y a des trucs à bulbe. On va s'en prendre quelques-uns. Voilà. On va s'en garder un pour manger. Et c'est quoi ce truc-là? Ouais, c'est ici qu'il apparaît, le Sunbeam. Hein. Je suis pas cinglé, c'est ici, quelque part. Ah, du coup, en fait, ouais, bah, faut attendre. Ah, faut attendre 35 minutes. Ah, putain, bon, bah, on va explorer en attendant, hein. T'attends pas 35 minutes dans le vent pour les couilles de Monsby, hein. Ah putain, pas encore, Est-ce que ça fait plus de dégâts, du coup, ça? Ah ouais, d'accord, oui, je les tue beaucoup plus rapidement. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Crève charogne. D'accord, il y a des espèces d'oiseaux, là, je sais pas ce que c'est. Espèce de rémanta volante, là, ouais. C'est quoi, ce bâtiment, là? Insérer une tablette. Eh, j'en ai ramassé une comme ça dans ma base, hein. Une violette, là.
Ouais, ouais, attendez, hein, si on a une ici, c'est peut-être qu'on a eu, je sais pas, on peut-être fouiller d'abord. Et si je peux entrer là-dedans, ouais, ça serait cool. On va chercher, bon, je pense qu'on va fouiller cette île. De manière, peut-être prendre de la hauteur déjà. Et je sais pas, les piédestals, on peut les scanner ou pas? Non. Bon. Eh, bah voilà, non, j'ai bien fait, hein. Allez hop, on pourra rentrer dans cette fichue base là. Après j'ai le temps, hein. On va peut-être d'abord explorer. Ouais, attends, l'Aurora il est là-bas, ouais d'accord. Donc c'est par là qu'il y a le Léviathan que j'ai entendu là, le hurlement terrible. Ouais, espèce de crabos là. J'ai l'impression que la hitbox elle est moins claquée que... Ouais, vous entendez là? Il y a un Léviathan par ici, hein. Vers le pompon violet. Ah, terrible, on l'entend quoi, c'est de la merde. Je tombe dans l'eau, en fait je me fais becter quoi, c'est génial. Ah, je suis content d'être sur la terre là, putain. Je cache pas que ça me fait un bien fou. Oh, et des cavernes. On se croirait presque aventurier là. C'est sympa. Peut-être voir s'il y a du minerai également. Ça pourrait être sympa de checker. Sur les parois là. Déjà, il y a des putains de crabes là. Ça va bien me faire chier. Ouais, je sais pas si je les ignore. Ouais, je vais peut-être les ignorer là parce qu'ils vont me casser les couilles. Ouais, donc j'aurais pu arriver de par ici aussi. Ok. On va fouiller. Hein. Mais je vais les ignorer, il y en a beaucoup trop. On peut monter, ok. On va aller par là également. Ah ah. Du lithium, je vais pas cracher dessus, hein. Attendez, il y a des trucs là sur les parois, c'est du lithium. Bien sûr, c'est du lithium. Vanilla comme ça. Putain, on a un spot de lithium. Il n'y a pas l'air dégueu ici, hein. Et par là aussi, d'accord, très bien. Bon bah on va passer notre temps à explorer ici, c'est cool. Ouais, beaucoup de lithium. Ah ok, bah là j'ai un bon spot à lithium, il y a du cristal aussi. Ouais, bah ouais, il y a un peu de tout quoi du coup. C'est bien, on va refaire un petit plein là de lithium. Ah sympa, hein. Tac, tac. Moi je vais le ramasser celui qui traîne vanilla, hein. Là, je commence vraiment à en avoir pas mal là par contre, on va peut-être se calmer un peu. C'est quoi cet endroit? Waouh. Un sérin cube ionique, j'ai pas ça. J'aimerais bien, mais je n'ai pas ça. Malheureusement. Par contre, ouais, la batterie, là, ça fuse, hein. La batterie pour la lampe torche, là, ouais. Faut faire gaffe. Dommage, parce que ça spot bien les ressources, la lampe torche, hein. Là, je vais me calmer sur le lithium parce qu'il y en a beaucoup ici. Hein. Donc si je veux du lithium, je viens ici en fait. Quoi. C'est ça que je veux de me dire. Ouais, c'est du lithium encore ça. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop même. Quand on arrive dans des grottes là. Je vais me perdre, hein. Là, je suis déjà perdu, je crois. Hein. Donc, autant perdu pour perdu. Écoutez, je vais continuer. Hein. Ok. Ah, bah là, j'arrive dehors. Ok. Putain. Il y a du lithium partout. C'est un délire. Il y en a partout. Ah, tu peux te faire une radio ici. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. J'en prends quelques-uns encore. Ce serait criminel de le laisser. Hein. Je me dirais. Ah, encore une tablette. Un coup, j'en prends une deuxième, ça mange pas de pain. Ah, dégage, saloperie, putain. M'a becté le cul. Ça va, ça fait pas trop mal non plus, hein. Le temps que ça me becte, je régène, donc... ça va. On s'en tire bien. Allez, on réactive.
Je sais pas si je suis déjà passé par là, je sais plus du tout. C'est très perturbant. Waouh, je crois que je suis déjà passé par là en vrai. Bordel de merde. On va plutôt essayer de monter, je pense, hein. À la base, je montais, hein. Donc si on peut aller en haut de cette montagne, ça serait cool. Et putain, comment t'as fait pour me becter, toi? Parce que je me demande si je tombe pas en rond là en vrai. Ça serait naze. Encore du lithium. Regarde si les ressources changent pas quand même. Il hein. Faut qu'on aura un truc plus rare, on sait jamais. C'est important. Ah, donc c'est là-bas le lieu de rendez-vous, mes couilles là, oui. Et je peux pas monter en vrai là? Moyen d'arnaquer ou pas? Non, on peut pas arnaquer. Dommage. Du sel, oui. Ouais, il y a le Simote là-bas. Je vais repasser par ici. Essayer d'aller sur le longer la gauche, peut-être. Il y en a énormément, hein. De saloperies, là. On va aller par là. Champi, ok. Ouais, c'est... Je viens... si tu balises pas ton terrain ici, t'es perdu, hein. C'est un délire. Et c'est quoi ces trucs-là? Je suis sûr que ça m'indique... Ah, je suis revenu là, ok. J'ai l'impression que ça m'indique un chemin, ces trucs-là. Hein. L'espèce de piédestal, là, mes couilles, là... La sensation que ça m'indique un truc, hein. Voilà, l'endroit est grand quand même, hein. Après, je vais aller explorer quand même ce complexe, là. On a vu... Eh, encore une tablette, hein. C'est incroyable. Ça continue, hein. Voilà, j'ai l'impression que ça m'indique le chemin en vrai. Donc je suive ces trucs là. Ça va me ramener au piédestal là où il y avait le cube ionique inséré là, non? Tu me pas du mauvais shit. C'est bien ça qui va se passer. Là, si je vais par là, ouais, ça mène à une grotte là, mais c'est un cul-de-sac donc c'est de la bite en bois. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah écoutez, j'ai pas de cube ionique, j'en trouverai peut-être un dans le complexe. Parce que ouais, ça ressemble quand même vachement au truc qu'il y a du complexe, là. Donc ouais, on va peut-être essayer d'aller là-bas, peut-être qu'on trouvera un cube ionique et qu'on pourra le mettre ici. Hein. Voilà, je sais pas, je suis pute, brave gens. C'est que de la supposition, on verra bien si ça mène à quelque chose. Donc je vais faire machine arrière. On va re-suivre les trucs en chemin arrière. En tout cas, je suis très content de trouver du lithium ici, c'est sympa. On va regarder ce qu'il y a dans ce putain de complexe. Allez. Ah, si on peut rentrer, hein, parce que je sais pas si le truc violet, ça va ouvrir ou pas, je n'en sais rien. Déjà, oui. Peut-être croquer 2-3 trucs. Inventaire plein, oui, je sais. Bon, ça en vrai, fuck, hein, alors je m'en fiche un peu. Je vais pas le prendre, pas encombré de ça. Ouais, si je tombe, je vais me faire mal. C'est pas la peine. Allez, alors, du coup. Insérer tablette. Ah, ça marche, hein. Allez, on peut rentrer, c'est cool. Scans indiquent
indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found. Donc, il y a bien une forme de vie intelligente sur cette planète, hein. D'accord, donc ça analyse la structure, très bien. Waouh, putain. C'est beau, hein. Incroyable le truc. C'est quoi ça? On dirait un peu les tablettes là, non? Ah, c'est... D'accord. Les données aliens. Ça, ça pourrait être intéressant à lire, vous voyez ça? Bon, en attendant, on continue là-dedans. D'accord, j'ai trouvé un truc. Cubionic, ok. Bah voilà, j'ai mon cubionic, on pourra tester ça. Allez, let's go. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ok. Encore un cubionic. Ok. Genre mince, ça prend beaucoup de place. Non, c'est qu'un slot d'inventaire, très bien. Parfait. Un terminal de données, bon, on prend des données 1. Unknown language, attempting translation. Plan de la plateforme armée. D'accord, ouais. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Y'a un bouton? Y'a un bouton activé ou alors faut que je saute là-dedans et je... Attendez, je vais tester, hein. Je vais prendre le risque de crever en sautant là-dedans. D'accord, je meurs pas, ok, ça va, c'est normal, c'est une cinématique, ok. Wow, putain. Ok. Ah ça, je peux le scanner. On va télécharger tout ce qu'on peut ici. Hein. Oh, l'eau, je suis pas trop fan d'aller dans l'eau là-dedans, quoi. Je sais pas s'il y a un truc, une saloperie. Je pense pas, je vois rien, mais on sait jamais. Ça mène dehors en tout cas. On dirait une espèce d'hangar quoi, à bateau. Très bizarre, hein. Donc ça, ils te laissent assez de temps pour attendre le sunbeam, mais assez de temps pour pas que tu te fasses chier quoi en fait. Donc c'est sympa, ils y ont pensé. Bravo les devs. Fusil extraterrestre quoi? Ah, c'est que des données, c'est pas un flingue que je peux faire. Merde, ah, ça aurait été sympa de buter des... Pouvoir enculer le Léviathan, là. Un cubionic. Je reprends, hein. Je sais pas ce que ça fait, mais je prends parce que c'est des ressources que j'ai jamais vues encore, donc... On va essayer de s'en donner un max. On peut aller par là. Y'a quoi par là? On peut monter, hein, aussi. Waouh. C'est quoi, c'est Stargate à porte des étoiles, ça, ou quoi? C'est quoi, ce merdier? On dirait un portail, en vrai, hein. Ça a la gueule d'un portail, ce truc-là. Arche alien. Une arche alien, ok, faudra que je regarde. Mais on dirait un portail ce truc là, 100%. Hein. J'ai l'impression que c'est un portail quoi. J'ai assez vu des films avec ce genre de conneries quoi. On entend une créature sous-marine, là on doit être sous l'eau là, à mon avis, vu la distance de fond là. Ah, encore une tablette. Il est vrai que j'avais pas encore scanné. Et voilà, on en a plein de tablettes violettes maintenant, hein. C'est cool, j'ai l'impression que c'est des clés donc on va peut-être les ramasser. Hein. Oh, c'est quoi ça? Appareil extraterrestre. Dispositif de fin du monde. Très bien, c'est joyeux. Qu'est-ce qu'ils ont foutu sur cette planète, quoi? Allez. C'est bien des clés, hein, ces trucs-là. Continue. Ouais. C'est quoi ça?
Cœur énergétique. Cœur énergétique, ok, on peut interagir, y'a rien d'autre. Non, oh, d'accord, je suis au bout de course là. C'est quoi cette merde? Ouais. Quoi? Aïe. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Ah, ah oui, ça, c'est vrai que je me rappelle qu'il y a un délire avec ça, genre l'autoscan là. Je suis infecté, hein. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune. Ah, d'accord, donc en fait je suis infecté, du coup je peux pas. On passe mon installation alien. J'ai eu ça en données. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Putain, j'ai des emplacements de base alien comme celle-ci. Eh, faut les faire, hein. Je suis sûr que ça va être important. Là, c'est le prochain objectif, je pense, hein. Parce qu'à mon avis, le sunbeam, je sais pas, je le sens pas, hein. C'est... Ça va pas être le truc qui va... va nous sauver les miches, hein, je pense pas, hein. D'accord, bah j'ai plus qu'à me barrer, en fait. Ok, bah, machine arrière. Putain, les trucs qu'on apprend, quoi. Ah, je m'attendais pas à ça sur cet épisode, je m'attendais vraiment encore à du farm, d'exploration. Bah, pas du tout, là, là, c'est vraiment... on avance dans l'histoire d'un coup, quoi. Ok. Bah on se barre. Par là. J'espère que, là, que ça marche pour remonter du coup. Là, je ressors par la flotte mais... Je suis moyennement chaud, je vous le cache pas. Ah oui, donc faut aller au portail. Parce que là, c'était, ça avait l'air d'être, d'avoir la gueule d'un portail aussi également dans l'île là. Pour mettre un cube ionique. On va tester ça. Hein. Et il reste 18 minutes. C'est bien, c'est que j'ai lancé la vidéo, du coup, bah, je sais combien... je serai à combien de temps de vidéo je serai, quoi. On a le chrono en direct. Ça marche. Ouais, ça, j'ai déjà réussi à prendre, hein. Ah non, y a plus rien d'autre à scanner, du coup, j'ai fait le tour. J'ai bien exploré, je pense, hein. On a plus qu'à se barrer. Allez hop. C'est grand, c'est beau, mais c'est un peu vide quand même. Hein. Mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. On a quand même vu pas mal de nouveaux trucs là. Allez, on va arriver à la surface du coup. C'est bon, on y est. L'air frais, voilà. Maintenant, on va retourner du coup. Activer... le truc en haut. On dirait un portail, hein. Et je sais, inventaire plein. On mange. Voilà. Allez. Maintenant que j'ai des cubes ioniques, on va s'en donner à cœur joie. On retourne sur ce truc. Et on est à la moitié du temps. Voilà. Ouais, je t'ai buté pour te scanner en fait, mais bon, si tu te tu tombes à la mer... Ah l'enculé. L'enculé. Tant pis. Aïe. Ils sont vraiment casse-couilles. Eh, ça s'allume quand on passe à côté. Je viens seulement de capter. Intéressant. Allez hop. On insère un petit cube ionique. C'est bien un portail, d'accord. Donc c'est bon, j'ai la confirmation. Ce truc de merde là, c'est un portail. Un portail qui mène où, bordel? On va tester, hein.
Oh bordel, je suis ouf. En tout cas, il reste actif, donc je peux le prendre en sens inverse. C'est très bien, ok. J'atterris où là? Oh putain, c'est ouf. Là, j'ai l'impression d'être dans Outer Wild, hein. C'est incroyable. Les mêmes sensations, quoi. Et ça, c'est ouf. Alors, donc là, on est sur... Attendez. On est pas sur la deuxième île, là, que j'avais déjà explorée. L'île flottante, oui. Oui, c'est ça. Oui, on est à l'arrière de l'Aurora. Oui, c'est ça. Ah putain, il y a un portail qui mène aux deux îles. Oui, c'est ça, les trucs au-dessus. Putain, c'est ouf. Oh putain, c'est du délire, hein. C'est-à-dire qu'on peut se balader de portail en portail sur différents trucs. Différents points dans la map du jeu. Ah, dinguerie, quoi. On gagnerait du temps, hein. Et du coup, je suis en train de me poser la question parce qu'il y en a une dans la... Il y en a également un portail comme ça dans la base alien. Donc je me demande si celui-là, il mène pas ailleurs. Peut-être à une autre base alien, justement, vu qu'on a le truc. Peut-être que les bases aliens sont communiquées entre elles. Communiquent entre elles, oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je lise, en fait, quoi. Mais j'ai pas à la foi, là. Je le ferai un jour, hein. Mais bon, là, j'aime bien supposer, en fait, si vous voulez, et réfléchir par moi-même. Me faire des suppositions. Bon, du coup, il reste actif tout le temps. Bah, c'est génial. Ok. Bon, bah, du coup, maintenant, bah, je crois qu'on va attendre tranquillement que le Sunbeam arrive, hein, je pense. Donc, ouais, à mon avis, je pense que je vais vous faire une grosse ellipse et puis, bah, je vais attendre. Parce que, ouais, mine de rien, on a déjà fait le tour, hein, quoi. Enfin, y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Hein. À moins, essayer de monter tout en haut de cette île, mais j'y arrive pas, hein. J'ai pas vu où on pouvait monter ailleurs. Malheureusement. C'est ça où je fais le tour de l'île en vrai. Hein. J'ai peut-être pas tout fouillé. Sur les abords quoi. La plage et tout. Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Et si ça mène à rien, écoutez, je ferai un gros cut et on se retrouve au Sunbeam. Hein. Il est infecté lui ou quoi? Il était bizarre. Allez. Ah, si je descends là, je me tue. Ah, c'était bâtard ça en fait, je vais devoir redescendre ici quoi. Ouais, ok, d'accord, je vais me faire mal. Aïe. Ouais, dégâts de chute sur ce jeu. Ils font très mal, hein. Pas très solide à ce niveau-là, hein. Ouais, j'ai pas les fois de faire à la nage le tour de cette île de merde. Donc c'est un gros nope. Il arrive dans 12 minutes quand même, ça va. C'est plus très long non plus. Hein. Le temps qu'on fasse un petit tour en bas. Il restera 5 minutes, je pense. Et zou. Bon, ah, il y a quand même des grottes, hein, vous voyez. Alors ça va, il y a de quoi explorer et de passer le temps quand même, donc ça va, c'est génial, quoi. Ils sont pas trop chiants, quoi. C'est cool. Bon, je suppose qu'on va trouver du lithium, hein, par contre, hein, évidemment. Ça ne changera pas. On est déjà trop sur moi. Là, c'est qu'on peut farmer du cristal aussi, parce qu'il y a les mêmes gisements. On va avoir du cristal. Donc c'est sympa. Et là on a une grotte sous-marine quoi. Une grotte, ouais. Oh. Et ça c'est intéressant ça. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais on va peut-être changer de pile. Encore du lithium. Hein. Beaucoup de lithium. Beaucoup de lithium. Ah voilà. Qui va faire un petit plongeon. Et voir ce qu'il y a là-dessous.
Oh là, y a pas de Léviathan là-dedans, faut pas déconner non plus, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Oh putain, par contre... Alors je dis ça, mais ça tombe, y en a un, hein, parce que vu comment c'était proche, là, bon, on va rester lucide, hein. Je vais pas trop faire l'andouille. C'est peut-être... Je sors. Je sors tout de suite. Oh putain, j'ai eu un frisson là. Oh, oh la vache. Oh putain, là, le con. Oh putain, mais là c'est un jumpscare hein, que je me suis pris là. C'était pas visuel, mais bordel, c'était sonore. Hein. Ouh. Non mais il est dans l'île, c'est pas possible, il est sous l'île quoi. C'est du délire. Attendez, je veux voir ça. Mais là, il est collé à l'île, c'est pas possible. De ce que j'ai entendu là, il est vraiment pas loin quoi. Hein. Il est sous l'île quoi. Oui, comment on l'entend là? Oh, ça me met pas bien, quoi. Ah, je vais flipper pour repartir avec le Simote, là. Ça va pas me mettre bien. Hein. Oh bordel. Bon, dans le doute, par contre, je mettrai quand même une balise pour revenir ici. Mais ça me fait chier parce que j'ai quand même envie d'explorer cette grotte et voir sous l'eau. Mais il m'a fait peur, l'autre con, là. Mais je pense que c'est trop gros pour être dans ces cavernes. C'est pas possible. Par contre, il gueule, quoi, le bâtard. C'est comme un putois. Hein. C'est... c'est hallucinant. À sauvegarder. Parce qu'on sait jamais, hein. Ah merde, j'ai pas d'autres piles, moi. Merde, j'ai oublié. Ah, ils doivent être dans le coffre du Simote, ouais. Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Ouais. On va désactiver la carte, oui c'est vrai que ce truc là ça a de la lumière et on nage plus vite en fait, ouais donc c'est pas plus mal. Une clé. J'espère qu'il va pas gueuler comme un putois là parce que sinon ça va pas le faire. Hein. On va vraiment profond en fait là non? Bah c'est flippant hein. Et l'autre connard là. Oh bordel. Il m'a vraiment pas mis bien quoi. J'ai l'impression qu'il était avec moi quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Ouais non bah y a rien d'intéressant en fait sur ces cavernes. Peut-être aller un peu plus profond mais là à part trouver une clé, enfin ouais une tablette là y a rien d'autre. Hein. Après on peut toujours aller plus profond. Et vous savez quoi j'ai sauvegardé donc au pire si je meurs c'est pas très grave. Faut voir ce qu'il y a ici quoi. Où ça amène toujours quoi. Nique ta mère. Oh nique ta race. Je vois où ça m'amène hein. Ça m'amène au Léviathan c'est ça. Oh putain. Non ça m'amène au Sunbeam. Ok d'accord. Ouf. Bon ok. Super. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Bon. Ok. Voilà, bon, écoutez, les amis, il reste 6 minutes, donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais attendre. Je vais attendre ici l'arrivée du Sunbeam, écoutez, puis voilà, hein, donc je vous dis à tout de suite.
Ouais, donc pour les amis, il reste plus qu'une minute trente à attendre. Donc là, je suis en train de profiter un peu du coucher de soleil hein, qu'il y a sur cette planète. Écoutez, quand c'est reposant, c'est calme. C'est très joli même. Pff, c'est... Ouais, le jeu, il a quand même un truc. Hein. Enfin, là, on oublierait presque que c'est un jeu horrible sous l'eau, quoi. Donc bon, en attendant, j'ai juste mis une balise avec île base alien. Hein, voilà, juste à côté de la base. Hein, comme ça, je saurais me repérer au cas où le marqueur après disparaît, je ne sais pas. Dans le doute, je l'ai mise, comme ça c'est fait. Hein. Je vais la laisser en bleu pour mieux me repérer, pour dire que c'est une île, quoi. Donc là, voilà, il reste plus qu'une minute. Ça va passer. J'espère qu'il fera peut-être jour quand ils vont venir me chercher. Je sais pas. C'est vrai que là, du coup, le sauvetage va se faire en pleine nuit. Écoutez, on va bien voir. Cette magnifique... Je sais même pas si c'est la Lune ou si c'est une autre planète, parce que la Lune, j'ai l'impression qu'elle est là-bas, quoi. Ou alors peut-être qu'il y a deux lunes, je sais pas. Celle-là, la lune, elle est vachement proche, quoi, assez pour faire de la lumière. Parce quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces conneries, quoi? Fait un bruit bizarre, quoi. Survivor, we see you. Man, I don't know how. Sérieux? Comment tu me vois en pleine nuit, quoi? We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Ah, il est là le sunbeam, on le voit là. No turning back now. Positions everyone. Touching down in 10, 9, 8. Bon, ça pue, hein. Ça pue, ça pue. It's coming from the building? Oh fuck. Change course. Set thrusters to full. Ah ouais. Bah donc la planète est vraiment en quarantaine par ces putains d'aliens, ils viennent de buter mon vaisseau de sauvetage quoi. Putain Sunbeam quoi. Oh. Ah, il reste plus rien en plus, hein. Il n'y a même pas de débris ni rien, ouais, c'est... il a explosé le truc quoi. Mon dieu. Mais ça veut dire que si jamais je fais un vaisseau pour me barrer, le truc il va me sauter à la gueule, faut vraiment le désactiver cette merde là. Donc faut que je me soigne. Ah non non, faut vraiment le péter quoi, sinon ça va faire chier. Mon dieu. En tout cas le soleil se lève, hein. Seul point positif quoi, putain, le sunbeam merde. Et toi tu vas redescendre du coup ou... Tu passes comme ça, ça se passe comment? Ouais, il rebouge. Bon, bah voilà, personne viendra me chercher, hein. Faut que je me casse par moi-même. Bien sûr. Eh bah putain, je m'attendais à ce qu'il y ait une couille, hein, mais moi je m'attendais pas à ça quand même, quoi. Je m'attendais à ce qu'il se crache ou qu'il y ait un truc qui sorte de l'eau, qui chope le vaisseau, ou une connerie, quoi. Ça aurait vraiment introduit le Léviathan pour le coup. Mais bon, finalement, c'est le bâtiment qui l'a explosé, quoi. Écoutez, hein. On fait ce qu'on peut. Donc ouais, la base continue sous l'eau, hein. C'est bien ce qu'il me semblait, ouais, c'est... Bordel, quoi. Je sais même pas s'il y a des ressources intéressantes, quoi. C'est vrai qu'on notera que je suis toujours à la recherche de magnétite, hein. Toujours pas trouvé. Il y a du plomb, là, ouais, c'est génial. Ouais, là, il y a un truc, là-bas. Il y a encore... Non, mais le Léviathan, il est bloqué sous l'île, hein. Il y a un problème, hein. Il y a un blême avec ce Léviathan, hein. Il est coincé, il est possédé, quoi. Ouais, ça me ramène là. Ouais, non, je vais pas faire l'andouille, je vais me casser d'ici. Allez, hop. Allez, on rentre à la base, ça sert plus à rien, là. Franchement, on a fait le tour. Je me barre de là.
Et là, si j'avance, je vais me faire becter le cul, quoi. Y'a le Léviathan, attendez. Parce que si on l'aperçoit, franchement... Parce qu'il est vraiment pas loin, là. Oh mon dieu. Regardez-moi cette profondeur infernale, quoi. Ça donne pas envie, hein. Et il est là, hein. On l'entend, ce bâtard, hein. Ouais, ouais, ouais. Je descends plus si je le vois, c'est sûr. Non, on va remonter, c'est bon, hein. De toute façon... C'est bon, j'ai assez vu. Et le jumpscare qui m'a mis dans la tronche, là, ça m'a suffi, hein. Allez. On va rentrer à la base. On va regarder un peu notre codex parce que maintenant j'ai peut-être l'emplacement des bases aliens, quoi. Ça, ça sera utile, je pense. Donc allez, c'est le CIMOS. Bienvenue à bord, donc on retourne à la CASA. C'est parti. Je vais peut-être sauvegarder, hein. On sait jamais, quelquefois je le croiserai sur la route, cet enfoiré, parce que bon, on l'entend quand même pas mal, hein, je trouve, là, hein. C'est assez badant. Ouais, j'aimerais bien quand même vous le montrer, hein. Je l'ai pas encore vu, bien sûr. Ce serait l'occasion. Vous me direz... Oh. Il y a une île qui flotte, là. Mais c'est trop profond, en vrai, pour le CIMOS, là. C'est ça, le problème. C'est très flippant. Ouais, j'ai sauvegardé exprès pour me forcer, là, mais ouais, c'est badant quand même, hein. C'est badant de ouf. Aïe, aïe, aïe. Ouh, putain, ouais, par contre, là, je fais l'andouille. Putain, je fais n'importe quoi. Oh, puis non, j'ai pas les fois de vous le montrer, hein. Allez, ça me fait flipper, je me cogne de partout, je vais péter mon vaisseau, ça continue, donc allez, on rentre. On rentre. Honnêtement, si je peux éviter de le voir, je vais éviter, hein. Ça sera mon goat. Bordel. Saloperie. Allez, on rentre à la maison. Ça aurait été une expédition quand même sympathique, hein. Allez, on arrive dans le biome d'algues, là, c'est bon, on est en sécurité. On sera plus agressé. Eh ben bordel! Bon, au moins on a trouvé du lithium. Un bon spot avec du lithium et du cristal, du coup. Alors vraiment que je m'intéresse à la magnétite. Et ça... malheureusement... c'est pas pour maintenant, visiblement. Faut que je cherche des dendrodeurs également. S'il y a du métal, faut que je regarde. Ah bah là, il y a un rôdeur. Bon, il a l'air un peu contaminé, il a l'air dégueulasse. Peut-être à cause des radiations, je sais pas. Ouais, il me rentre dedans, mais bon, ça fait rien sur la coque du CIMOS, donc on s'en fiche. Juste voir s'il y a des dents, en fait, là. T'as pas perdu une dent, là? Parce que si je peux en choper, là, oui, je vous avoue que ça m'aiderait pour faire du verre émaillé. C'est un peu ça que je regarde, là, pour le coup. Ouais, ouais, casse-toi. Ah, on peut péter ce truc. D'accord, c'est intéressant, ça. Bah ouais, en vrai, je vais y aller, hein. Allez, go, hein. C'est sur le chemin, écoutez, du retour. Après, bah, on verra pour arrêter la vidéo, parce que du coup, ouais, on a atteint la durée, hein, légale. Pour ma chaîne. En tout cas, ça reste cool, hein. C'était sympathique. Integrating new PDA data. Ok, donc il y a juste ça, c'est bien de la merde. 5% on peut ressortir, d'accord, donc j'aurais même pu passer par là, en fait, au lieu de me faire chier, là. C'est génial, ok. On apprécie, bien sûr.
Ouais, donc toujours pas dedans. Non. Bon bah... C'est pas très... En même temps c'est un peu fouillis, c'est le bordel, on voit rien. Y a trop d'herbe là pour repérer ça, c'est chiant. Faudrait que je retourne dans la barrière de corail, là où il y avait ma première capsule, là j'en trouverais peut-être plus facilement quoi. Ou limite que je fasse une salle d'escanner aussi, que je cherche ça, ouais. C'est possible. Vu que maintenant on m'a expliqué un peu comment ça marchait quoi. C'est vrai que si je peux rentrer avec une, ça serait déjà pas mal, hein. Je me dis que s'il y a des débris métalliques, il y a forcément des dents de rôdeurs pas loin, quoi. Là, c'est un peu plus plat, donc je me dis que c'est peut-être pas impossible, hein. Bon, la capsule numéro 3, on s'en fiche. Ah là c'est trop fouillis, c'est impossible de trouver ça ici quoi. Malheureusement. Ouais non c'est pas trouvable. Il y a Dalque peut-être ici non. Eux ils chopent des trucs, les dents elles claquent. Et je sais pas s'ils perdent des dents. Hein. C'est ça le souci. Non hein, je pense pas. Hein. Allez. Je laisse béton. Là c'est le trou volcanique. Et on arrive bien sûr à la maison. Ça c'est chouette. On va réparer. Il est pas abîmé le prône. Je vais regarder quand même, hein, on sait jamais. Non, il est bien, il est propre. Très bien. Allez. On monte le Nautilus. Pour qu'il se recharge. Et nous, bah, je pense qu'on va du coup ouais, déposer tout notre bordel. Là, c'est vrai que j'ai plein de lithium du coup maintenant. Tac, voilà. Les cubes ioniques, ouais, je vais les mettre aussi là en attendant. Les tablettes du Edge, je vais commencer à les mettre dans l'armoire, je pense, là, ouais. On en a 4 d'avance, c'est sympa. Ouais, bah écoutez, je vais manger un coup. Et boire. Et dans le même temps, quoi, du coup. Ouais, donc ça, par contre, oui, ça va à la place du Sea Glide, ok. 3. Ok. Tac, 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 voilà. Voilà, on plante ça. Tac, voilà, parfait. Tellement cool, hein, d'être indépendant. Oh. Bon, du coup, maintenant, il y a pas mal de questionnements maintenant. Hein. C'est le bordel. Parce que maintenant, si je regarde mon PDA, normalement, en données téléchargées, en code et indice, emplacement d'installation alien, j'en étais sûr, putain. Ok. Donner à intercepter concernant la station extraterrestre d'ailleurs sur la planète. Moteur de recherche sur les maladies. Profondeur 800 mètres. Emplacement caverne contenant de nombreux fossiles au sud-ouest de la plateforme armée. D'accord, faut se repérer par rapport à l'île sud-ouest. D'accord, on a des cavernes contenant de nombreux fossiles à 800 mètres de profondeur. Putain, là, il faut le prône. Hein. Il faut le prône, alors faut que j'améliore vachement mon Nautilus, quoi. Étude des spécimens vivants. J'ai synthétisé un antidote pour la bactérie hautement contagieuse et nommée Kara. Ah, c'est peut-être ça, hein. La merde, là. Et centrale thermique, profondeur 1200 mètres. Emplacement à l'intérieur d'une formation de roches naturelles dans une zone de forte activité volcanique. Putain, il va falloir ma tenue. Générer d'énergie pour toutes les autres installations. D'accord. Ah, d'accord, ok. Sanctuaire A, donné corrompu. Sanctuaire B, laboratoire secondaire, donné corrompu. D'accord, en cas d'épidémie. À l'intérieur d'une formation de roches naturelles dans une zone à forte activité volcanique. Faut aller dans des zones où il y a de la lave, quoi. Il va falloir aller dedans carrément quoi, donc faut vraiment être équipé hein. Ok, on attaquera. En cas d'épidémie, les procédures en quarantaine seront automatiquement mises en application avec effet immédiat. La plateforme armée attaquera automatiquement tous les appareils entrants sortant pour empêcher la contamination d'autres planètes. D'accord, donc si jamais je fabrique un vaisseau pour me barrer, le truc va me tirer dessus et je vais mourir. Ok, donc c'est génial. Donc avant de penser à se barrer, il faut absolument désactiver ce truc, donc il faut absolument chercher des réponses dans les laboratoires, notamment pour le laboratoire de recherche de maladies. Donc
sud-ouest de la plateforme armée, ça va être notre objectif, je pense. Il va falloir aller vraiment au sud-ouest là-bas, donc on ira sûrement avec le prone, je pense. Ça sera une occasion de faire une expédition avec le prone, dirigé là-bas. Et quelque chose me dit que ça va pas être une partie de plaisir, notamment qu'il faut que je fasse les bras, etc. Là, le bras du prone. D'ailleurs, je sais même pas comment on craft cette merde. Faut que je regarde. Je regarde absolument sur les trucs là, oui, par exemple, bras torpitrone. Ça se fait où en fait ça? Amélioration de véhicule, oui, oui, je veux bien, mais ça se fait où? Ça se fait où? Ça se fait sur la station de modification. Genre le bras grappin, là, il me faut du lithium, il faut du benzène, je sais pas ce que c'est le benzène. Ouais. C'est un truc que j'ai pas encore, hein. Bon, soit. En tout cas, les gens, on regardera à ça dans le prochain épisode. Donc voilà, en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça s'est pas passé comme je l'attendais, mais bon, c'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Allez, des bisous, ciao, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Allez, à la prochaine. Tchuss.